Des voltigeurs, là, c'est Mercer qui va 10 passer à sa gauche. Boutin qui revient dans l'enclave, ne peut tirer, passe à la ligne bleue. Ça revient à Renaud Viau. Tire de Renaud Viau, il y avait devant le filet Mainville là, qui a tenté de faire des tirs sur Achille, défenseur, mais réussi à remettre devant. C'est finalement Lévesque qui s'amène, contourne la défensive. Lévesque demain à Wood. Wood tire, c'est stoppé par le gardien avec la jambière droite et c'est contre-attaque aussitôt. Les voltigeurs, c'est Woodward avec la rondelle, s'amène face à la défensive. Tiens, on frappe le poteau. On a fait. Golicic est sur une longue présence. Dumont a remis dans le coin. C'est une rondelle qui revient dans l'enclave. C'est un tir stoppé par le gardien Pelletier. Encore une fois, un deuxième avec la jambière. C'est... Finalement, ça sera Haché. Haché passe au centre. C'est bien fait maintenant. Autour de Mainville. Mainville qui veut remettre derrière, c'est pour Dumais. Dumais à Mainville. Tire stoppé, Mercer. Retour. Oh, c'est Dumais qui avait la cage. Intercepté par Vitrano. Vitrano passe à Golicic. Golicic qui a joué mollement. Rondelle qui revient. Tire! Oh, quel arrêt de la part du gardien! Pelletier avec la jambière. Plusieurs partisans célèbres. Oui, c'est Guillemette également au centre de la patinoire là, qui a reçu le bâton directement au visage. Là. Mais Renaud Viau, ça semblait être plutôt son propre coéquipier. Un tir et contre! Rondelle qui était libre dans l'enclave et c'est Justin Côté qui vient marquer le premier but cette saison. Et encore une fois, on a semblé cafouiller dans le fond de territoire pour les Olympiques. On le sentait venir, celui-là, après avoir écoulé la pénalité de Lucas Landry. Les voltigeurs de Drummondville qui ont pris d'assaut le territoire des Olympiques de Gatineau. On a réussi à s'installer, pas nécessairement s'installer, mais du moins rester dans le territoire. Transversal pour Maisonneuve. Maisonneuve à Dumais. Dumais à Mainville. Mainville se défait de la défensive, s'amène avec Boutin. Mainville avec rondelle vers le filet. Coupe tir! Mercer qui vient stopper. De Landry tente un tir, un bloc en défensive. Contre-attaque. Mainville qui remet à Boutin. Boutin qui va s'échapper, la semaine. Boutin seul tir! Stoppé avec la mitaine de Mercer. Malheureusement, Charles Boutin s'en a un autre. On a frappé l'extérieur du filet à la droite de Mercer. Et une deuxième fois, Wood qui a tenté de. Oh, la fond qui s'est fait cogner par Golicic. Qui s'amène. Rotundi qui passe pour Justin Côté. Beaucoup de vitesse s'amène. Côté avec la rondelle. Remède en clap, tir. Stoppé par encore une fois. C'est le gardien des Olympiques. Chute, là, on est venu le frapper. Rondelle qui est maintenue chez les voltigeurs. Et ça sera finalement sorti de la part de Goyette. S'amène sur l'aile. Goyette s'avance. Coupe dans l'enclave. Stoppé par. Boutin, c'est pour Dumais. Dumais vers Boutin. Ça se transporte de l'autre côté. Il y a Eric qui a quitté sa position en défensive. Rondelle qui va revenir derrière le filet. Boutin cherche. Passe en versant. Tir. Et go! Qui quitte sa position et vient marquer un premier but pour les Olympiques. Mathieu Eric, la recrue, qui vient marquer, quitte sa position en défensive. Et on a vu toute la vision du jeu de Charles Boutin sur cette séquence. Prend bien son temps. Et petite passe soulevée qui bat trois voltigeurs avant de se retrouver sur le bâton de Mathieu Eric qui dépose cette rondelle. Brunet s'avance, premier sur le 10 pour les voltigeurs. On est en territoire de Drummondville, oui. Rondelle qui va revenir jusqu'au centre. Faut faire attention, là, c'est Landry qui s'amène un contre un tir. Poteau! On a frappé le poteau. Dans son territoire, tout près du cercle de mise en jeu. Woodward maintenant. Woodward, faudra faire attention qui sautera sur la patinoire également. Ça sera Landry. Beaucoup de vitesse pour les voltigeurs. Tire de Landry, contre. Et Landry qui vient marquer, lui qui sortait du banc. Des voltigeurs de Drummondville.